Bonjour, in our series of video about pronunciation tip in French, we are going to improve our conversation speaking about bakery. When you want to buy something in a bakery with your French teacher online, Pascal, and FrenchSpanishOnline.com. Let's start with these first conversations. These two guys are outside the bakery. Ces deux garçons sont dehors, sont au dehors de la boulangerie. So listen, écoutez et regarde une boulangerie. Ça me donne faim. Moi aussi, j'ai un petit creux et ça sent bon d'ici. On rentre et on s'achète un gâteau? Si tu veux, mais j'ai pas un rond. Pas de problème, je t'invite. Of course, this way of speaking is what you can learn at school, but you can improve this text to speak like a French guy. Let's have first some explanation. The sentence, ça me donne faim, it makes me hungry. J'ai un petit creux, creux is hole, un petit creux in the stomach, dans l'estomac. This expression, avoir un petit creux means that you are hungry. Ça sent bon, it smells good, d'ici, from here. J'ai pas un rond, here, j'ai pas un rond, it's also an expression, the meaning is I have no money. Of course, it's not correct French, because the negative form is not complete. We should say je n'ai pas un rond, but you remember that when we speak, the first part disappears. J'ai pas un rond, it's the way we speak in French. So now let's see how we can improve this text. And it's always the same thing. It comes from the letter E in French when the sound of this letter is E. So, regarde une boulangerie, ça me donne faim. Well, you know all the this word. Regarde, look, boulangerie, and ça me donne faim, the expression, it makes me hungry. Well, here we've got our first E, and instead of regarde, you can say regarde. Eh, regarde. Eh, regarde. The same thing for boulangerie, because of this E, we just say boulangerie. And actually, it's a way of speaking in France. Une boulangerie. And instead of ça me, we just say ça me. Ça me donne faim. Ça me donne faim. So if you want now to repeat after me the whole sentence, eh, regarde, une boulangerie, ça me donne faim. Again, eh, regarde, une boulangerie, ça me donne faim. Okay, second expression, un petit creux. So here you know petit and petite, the feminine form, creux, here, hole. And you can say un petit, again the letter E, un petit creux. J'ai un petit creux. Pas de problème, je t'invite. So problème, invité, no secret for you. So how we can improve this sentence? First, instead of pas de, we just say pas de. Pas de problème. Pas de problème. Okay? And the sound je, the second part of the sentence, become che. And we say je t'invite. Pas de problème, je t'invite. Would you want to repeat, please, after me? Pas de problème, je t'invite. Je t'invite. Okay, so now our conversation is this way, speaking by a French guy. Eh, regarde une boulangerie, ça me donne faim. Ah, moi aussi, j'ai un petit creux et ça sent bon d'ici. On rentre et on s'achète un gâteau? Si tu veux, mais j'ai pas un rond. Pas de problème, je t'invite. Okay, so now you are going to repeat the sentences after me. The first one. Eh, regarde, une boulangerie, ça me donne faim. Moi aussi, j'ai un petit creux et ça sent bon d'ici.
rentre et on s'achète un gâteau? Si tu veux, mais j'ai pas un rond. Pas de problème, je t'invite. Okay, let's see our second conversation. So now we are in the bakery, and of course, the guy is going to ask to start the conversation. Bonjour, vous désirez? Je voudrais deux baguettes bien cuites, s'il vous plaît. Voilà, avec ceci, ce sera tout. Vous avez des croissants? Bien sûr, combien en voulez-vous? Mettez-m'en trois. Ça fait combien? 5,50 €. Et c'est quoi ça? Ça, ce sont des chouquettes. Vous voulez goûter? Ah oui, merci. Mais c'est très bon. Ok? So here we don't have a lot of things actually to see to improve this text. Well, we can speak again about the pronoun en here. Combien en voulez-vous? En, it's for croissant. If you don't want to repeat the word croissant, you are going to say combien en voulez-vous? And the same thing here. Mettez-m'en trois. You could say mettez-moi trois croissants. But if you don't want to repeat croissant again and again, you say mettez-m'en trois. If you want three of them, of course. C'est quoi ça? The meaning is what is this? C'est quoi ça? Okay, and that's the things now you can improve this part of the conversation. Je voudrais, ce sera tout. Again, the letter E. Instead of je voudrais, we say je voudrais. If you want to repeat with me, je voudrais. And instead of ce sera tout, we are going to say ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. It's something you may hear after buying something when the buyer wants to know if you want anything else. Ce sera tout. Is that all? So, our conversation now, like a French guy. Bonjour, vous désirez? Je voudrais deux baguettes bien cuites, s'il vous plaît. Voilà, avec ceci, ce sera tout? Vous avez des croissants? Bien sûr. Combien en voulez-vous? Mettez-m'en trois. Ça fait combien? 5,50 €. Et c'est quoi ça? Ça, ce sont des chouquettes. Vous voulez goûter? Oui, merci. C'est très bon. So do you want to repeat now? Sentence after sentence. So the first one. Bonjour, vous désirez? Je voudrais deux baguettes bien cuites, s'il vous plaît. Voilà, avec ceci, ce sera tout. Vous avez des croissants? Bien sûr, combien en voulez-vous? Mettez-m'en trois. Ça fait combien? 5,50 €. Et c'est quoi ça? Ça, ce sont des chouquettes. Vous voulez goûter? Oui, merci. C'est très bon. Ok, so again, if you want to read the text with me at the same speed, so we can start now. Bonjour, vous désirez? Je voudrais deux baguettes bien cuites, s'il vous plaît. Voilà, avec ceci, ce sera tout. Vous avez des croissants? Bien sûr, combien en voulez-vous? Mettez-m'en trois. Ça fait combien? 5,50 €. C'est quoi ça? Ça, ce sont des chouquettes. Vous voulez goûter? Ah oui, merci. C'est très bon. Ok? So, one conversation more, a good way to improve your French. Do you know what a chouquette is? Well, here a picture, and it is very tasty. Allez, c'est fini. Alors, au revoir et bon français!